À Kampala, que peut-on attendre de ces négociations? Ben écoutez, on ne sait pas trop parce qu'il y a des attentes très différentes d'un côté comme de l'autre. Par exemple, le M23 qui se sent en position de force sur le terrain met la barre très haut. Il veut mettre sur la table l'ensemble de l'architecture politique de la République démocratique du Congo. Le mouvement ne reconnaît pas la légitimité de Joseph Kabila. Il considère que les dernières élections ont été truquées. Il souhaite que l'on discute d'une transition vers de nouvelles élections. Donc on est très loin du point de départ de cette négociation qui devait faire le bilan d'un autre accord, celui du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et l'ex-rébellion CNDP à l'époque. Le gouvernement congolais veut en rester à ce point précis. Il y a donc un fossé entre les uns et les autres et la négociation sur l'ordre du jour risque de prendre beaucoup de temps. Alors sur le plan militaire, ils profitent de leur avantage. Les rebelles du M23 veulent donc d'autres interlocuteurs, l'opposition et pas seulement le gouvernement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans un premier temps, les parlementaires de l'opposition congolaise n'ont pas voulu venir à l'invitation du pouvoir de Kinshasa qui leur proposait d'être des observateurs de cette négociation. En revanche, ils pourraient venir à l'invitation de l'Ouganda, qui est le pays hôte de ce dialogue. Les rebelles le souhaitent aussi. Maintenant, il reste à savoir si les Ougandais vont vouloir que la discussion s'élargisse à l'ensemble de la classe politique congolaise. Et ça, c'est précisément ce que veut surtout éviter le pouvoir à Kinshasa. On ne va pas refaire le Congo ici à Kampala. Voilà, dit un membre de la délégation gouvernementale, ce à quoi répond un M23, que si l'on ne parle pas de tout, eh bien il n'y aura pas de paix. Merci beaucoup Bruno Minas. Des morts, 2 millions de femmes violées, 1000